J'avais réalisé il y a quelques années une série d'entretiens avec Michel Delpech et j'avais vraiment trouvé cette personne très attachante, quelqu'un pas du tout l'image de la star des années 70-80 avec les paillettes, entrée dans le star system, quelqu'un de très attachant et qui parlait de son métier avec beaucoup de recul, beaucoup d'humilité. Et on a noué comme ça une amitié, on a échangé et ça c'est devenu, au fur et à mesure de nos entretiens, c'est devenu un livre, une biographie où j'ai en même temps ensuite détaillé sa carrière pour ceux qui aiment ses chansons. Et puis il m'a expliqué l'historique des chansons, comment il travaillait. Et je me suis aperçu que c'était vraiment quelqu'un qui aimait le travail bien fait, qui recherchait le mot juste. Un travail d'écrivain en réalité, ça m'a passionné aussi par rapport à mon propre métier et par rapport à la démarche que j'utilise. Ça a donné ce livre qui est, je pense, la biographie la plus complète de Michel Delpech et qui, en ces temps, bien sûr, après son décès, j'espère qu'on saura qui il était et que c'était vraiment quelqu'un de... J'insiste sur le caractère attachant de cette personne, de cette personnalité, et qui en même temps était quelqu'un de très complexe, de très compliqué, très angoissé, doutant beaucoup de lui-même. Et derrière ce sourire, son atout majeur, comme il le chante dans cette chanson culte « Quand j'étais chanteur », c'est la vraie personnalité de Michel que j'ai essayé de découvrir. Voilà, et il a participé vraiment avec beaucoup d'humilité. Et il est allé jusqu'au bout de ses réponses. Il n'a jamais cherché à se défiler. C'était quelqu'un de très déterminé, avec beaucoup de force de caractère, mais en même temps une fragilité qui devait remonter à l'enfance et qui, à certains moments, par rapport à cette fabrique des idoles qui est le show business, d'ailleurs ça n'a pas changé aujourd'hui puisque on a détruit, le système a détruit l'une des plus grandes voix du début du XXIe siècle qui est Amy Winehouse. Donc on retrouve exactement les mêmes ingrédients du succès et de la destruction et parfois de l'autodestruction. Et Michel a failli se suicider, il était au bord du suicide parce que justement c'est une machine infernale à broyer, à fabriquer et à broyer les idoles. Et ça c'est un témoignage de première main parce qu'il en parlait de manière très détachée, il en était revenu. Il m'a dit « je suis revenu de l'enfer, je suis revenu de tout et donc aujourd'hui je ne crains plus rien que la maladie malheureusement qui l'a terrassé ».